il paraît que la neige est froide. En tout cas, pas pour ces jeunes sportifs en herbe qui, malgré la tempête, ont chaussé leurs skis pour disputer la course. C'est au col d'Albane, sur la zone nordique de la station des Karélis, que nous retrouvons une cinquantaine de jeunes enfants, entre 6 et 11 ans, prêts pour ce circuit. Ça regroupe les 4 clubs de Maurienne, donc Bessan, Valsenis, Valoir et Karélis. Donc il y a une 50 jeunes qui vont s'affronter, entre guillemets, sur un petit circuit en ski classique. Pour la plupart de ces enfants, c'est avant tout une découverte de la discipline. Et l'idée, c'est de leur faire découvrir l'aspect ludique, finalement, de l'activité. Des mini-courses avec un départ en ligne, ça peut être des parcours nordiques avec des parties hors-piste, des bosses, pourquoi pas des sauts, un peu de biathlon laser aussi. Pour cette étape, les départs se font par âge. Le parcours vallonné dessine une boucle différente en fonction des niveaux. Ce circuit se clôturera par une grande finale au mois de mars en fin de saison. De quoi laisser le temps à ces jeunes champions de s'entraîner et d'appréhender l'utilisation de leurs skis. Chaque district a son circuit de mini-coupe et cette année la particularité c'est qu'on va organiser la finale donc, qui aura lieu le mercredi 22 mars. Donc il va regrouper 150 jeunes. Donc là aussi ça va être l'aspect ludique qui va primer. On va mettre en place des ateliers ludiques. Des jeunes préparés au sein de leur club sportif, comme ici, au Karélis. Le fruit du succès, un entraînement régulier et un bon suivi. Pendant la période scolaire, les enfants ils ont des séances d'entraînement le mercredi et le samedi. Et en général, le dimanche, c'est le jour où les jeunes ont des compétitions. Une première étape réussie, malgré des chutes de neige importantes qui n'ont pas atteint le moral de ces jeunes champions.